premier. Son nom de famille se termine par un mot du vocabulaire français infamant. Quand on dit un con, il est con à gauche, à droite, à droite. Un homme bien étudié n'emploie pas ce vocabulaire. Mais lorsque vous devez parler d'un homme qui a lui seul réuni 100 cons, alors on est la tentation forte de parler de 100 cons aujourd'hui. Je dis bien 100 avec un 1, 0, 0, C, O, N, S. On ne va pas s'étendre parce que beaucoup de choses ont été dites. Le simple fait qu'il ait reconnu la paternité des chevaliers de la République, cela va nous poursuivre. Si le procès ne s'ouvre pas sur Alpha Condé, ça s'ouvrira demain après Alpha Condé. On ne peut pas tuer des militants de l'opposition infiniment. L'impunité dont il jouit aujourd'hui va prendre fin un de ces jours. Je vous promets que Malik répondra devant la justice guinéenne. Les assassinats dans les rangs de l'opposition perpétrés par les chevaliers de la République dont il a été le constructeur et dont il a assumé la paternité. Le deuxième personnage, je vous lis un petit poème et à la fin vous saurez de quoi je parle. Mon frère aux dents qui brillent sous les compliments hypocrites, mon frère aux lunettes dorées par les promesses fallacieuses, sur tes yeux réduits, rendus blancs par les paroles de ton nouveau maître, mon pauvre frère qui est devenu un troubadour à smoking à l'intérieur de soi. Tu nous fais pitié. Ton soleil n'est plus une ombre sur ton front serein d'un politicien avisé. Tes cheveux rasses qui ont blanchi sur ta tête droite à rougir à force d'humiliation et de mea culpa. Mais lorsque recueillent des mots sonores et vite comme les caisses de la sécurité sociale, tu reviendras sur terre, la terre qui vient débarrassée de l'hypocrisie, de la corruption, du mensonge et de l'impunité. Ces mots repassés rituelleront alors les marches inquiétantes de ta vie. Seul, tu crieras, je me sens seul. Seul ici. C'est une paraphrase d'un poème de David Job dans les coups de filon 1965, le Réveillé. Le troisième personnage, tout petit, né dans un village pas très loin d'ici, rêvait de voyage. Et puis, par les forces maléfiques, s'installa par effraction sur le trône de la République. Et depuis 2014, nous avons minutieusement recensé qu'il a effectué en 9 mois de 4 ans 818 927 km. Il a visité 38 pays différents, 122 voyages, 62 de ses voyages étaient des sommets bilatéraux, 90 parmi ses visites auraient pu être effectuées par un Premier ministre ou un ministre des Affaires étrangères. En moyenne, 345 millions de francs par déplacement. En comparaison, le président Obama, en 8 ans, n'a effectué que 5 à 6 voyages à l'étranger. L'ancien compté en 20 ans, a effectué à peine 182 000 km en 20 ans. Notre marchand national, au mois de septembre, il a fait Conakry Addis Abeba, Conakry Pékin, Conakry New York, Conakry Riyad, Conakry le Qatar, Conakry Kazakhstan, ponctué par des jamais répétitifs à Paris.
154 000 km, 4 fois le tour de la Terre, il vient exaucer ses vœux d'enfant. Et je vais finir par me réjouir de la prise de conscience de nos jeunes dans les villes de Boké, Béga, Kérouané, Kouroussa, et bientôt Gawa, Kounara, Sigiri, Kanka, Madiana, parce qu'il est temps de réclamer les dividendes des fausses promesses. Parce qu'il est temps que la jeunesse réclame. Et je dis ceci, Alpha aime la guerre, il aime la violence, il aime le rapport de force. Si vous ne vous levez pas maintenant, vous n'aurez rien. Et vous annoncez 20 milliards, c'est le moment pour chacun d'entre nous de réclamer sa part. C'est le moment pour chaque ville de réclamer sa part. Parce que c'est ainsi que l'on contraint les esprits maléfiques. Merci.